C'est reparti pour du nerf, du sang et des larmes. Sur ce foutu boss, citadelle obscurcie. J'ai utilisé un cœur alors qu'on ne va pas l'utiliser. Ça, c'est un sapin. La matrice. Oh merde. Allez.
Au moment où il va pour taper. Il ne laisse pas le temps de charger. Punaise. Ceci est futile. Et c'est maintenant que vous le dites? J'espérais que nous n'arriverions pas là. Comment ça? J'espérais qu'on crève. Hey. Hey. Il doit y avoir un moyen. Qu'est-ce qu'on fout ici s'il n'y a rien à faire, hein? Reste deux issues possibles. Soit la porte s'ouvre et s'ouvre tout. Soit... Gardien! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi elle veut pas crever? La porte s'ouvre. Le renflement n'est plus une option. La seule option restante est... l'annihilation. Pour éradiquer la corruption, le système doit être restauré. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effacer tout ce qui existe. Reprendre à zéro. Reprendre à zéro? Mais c'est pas justement ce qu'on voulait empêcher? Oui, mais on n'a plus le choix. La racine va tout détruire. Absolument tout. Pour toujours et à jamais. Inattendu. Je suis réticent à m'exécuter. Non. Gardien, il y a un autre moyen. Souvenir oublié.
Elle absorbe tous les bombes. Voici la fin, qui est pas une fin. Ouais, non, il y aura sûrement une suite à mon avis. Elle va ressortir les mondes et tout le monde de son corps là. Pour relancer un niveau au-dessus, du coup.
skies will roll as time keeps beating. Our past. On arrive à la fin. Fragment de mémoire dans l'infini. Clémentine fait partie du gardien maintenant. Sauvegarde en fait, il reste plus les mêmes. Réveille par terre. Et la suite, quand je me réveillerai par terre. Bon, voilà, pour cet épisode de fin de boss, on relancera, je pense, en la difficulté au-dessus. Je sais plus c'est laquelle. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, ciao.